Dans la suite du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en Mbujimayi, province du Kasaï-Oriental, Jean-Pierre Dikoma Kitenge, PCA de la CADECO, s'est fait enrôler au centre situé à l'école publique Laurent-Désiré Kabila. Recevant sa carte, il a demandé à tous de s'enrôler massivement, surtout les jeunes à l'âge de voter. Le message, c'est la sensibilisation. L'enrôlement n'a pas encore terminé. Tenir sa carte d'électeur pour les votes en décembre 2023. Et ces élections, c'est pour réaliser une majorité parlementaire. Je dois soutenir le président Félix parce qu'il sera réélu par notre politique. Et que pour qu'après 2023, qu'on continue à construire notre pays, qui a été détruit pendant plus de 52 ans. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous mobilisons tout le monde, les jeunes qui ont déjà atteint l'âge de se faire enrôler, doivent aller se faire enrôler, et avoir chacun sa carte de l'été qui est justement une clé pour aller aux élections. Lancé le 25 janvier 2023, les opérations d'identification et d'enrôlement devraient prendre fin le 23 février 2023. Ils ont été prorogés de 2 semaines.